Ben ça, c'est le char qui a été fait par le quartier des Véprés. Puisque c'est Monsieur Doucet qui est le conducteur du Oui, je tracteur. vois. Mais c'était à quelle occasion, ce chat? La mi-carême? Ah. Non. La kermesse des écoles. Oui. Hein? Très prisé. Les enfants, bien sûr, défilés, chars faits par les gens du quartier, avec en fleurs en papier. Et il y avait une structure qu'on soudait, je me rappelle, c'était soudé à la maison. Et donc, on mettait du grillage par-dessus. Et les femmes faisaient des fleurs en papier, Et papier les enfants, crépon. voilà. Et les Et les enfants. enfants. Il y avait un thème qui Oui. était destiné pour tous les chars, en L'ensemble, fait. oui. Et chaque quartier choisissait, à partir du thème, choisissait le char qu'il faisait. Tout à Nous, fait. je me rappelle, c'était une année, c'était les gondoliers qu'on avait fait. Donc c'était Oui. sur le thème de Venise. Et une Et autre une année, autre année, c'était le pays du sourire. le pays du sourire, c'était Oui. sur La Chine. la Chine, ouais, enfin, Ah oui, puisque le moi j'ai une matin photo calme. où je suis en chinoise, moi aussi. Donc effectivement. Mais là, le thème, je ne dirais pas exactement, mais c'est vrai que c'était l'étoile des neiges, et donc c'était L'étoile symbolisé. devait être blanche, Voilà. certainement. Là, en l'occurrence, les petits étaient sur les chars, et puis les plus grands de ce quartier-là étaient derrière à défiler. Et tous avec des costumés sur le thème du char. Oui. Fait par les parents, Ouais. toujours. Tout à fait. Oui. Et même le tracteur était décoré, hein, Ah parce oui. que fallait que Et la puis, fille. lavé et propre. Attention, il Oui. était propre. Ah ben oui. Et là, on descendait chemin de la Louetterie et on arrivait sur le parc de la Louetterie, là Oui, où on faisait les danses. où se déroulait la kermesse. Oui, oui. Vraiment, se déroulait la kermesse. Oui, puis il y avait donc le char, les jeunes qui défilaient autour, La et puis aussi fanfare. la fanfare. Ah bah Ne oui, pas oublier la la fanfare. fanfare. Alors là, ça c'était attention. C'est ma cousine qui est toute petite puisqu'elle a 3 ans. Là, c'est mon cousin. De ce côté-là, c'est la fille du chauffeur de Monsieur Doucet, c'est Marie-Thérèse. Et là, c'est moi-même. Sur le côté gauche. Et je salue la foule. Alors, j'avais 6 ans. Moi, j'avais 13 ans, là. C'est un... Donc, moi, j'avais 1 an de moins, 12. Mais on a fait... J'ai des photos sur les chars, on est beaucoup plus petits. Oh, bah oui, Bah je oui. suis sûre que en 52, on y était déjà. J'avais 5 ans, on y était Ah oui. déjà. Oh oui, c'est l'âge à peu près quand on rentrait à l'école, je pense, à peu près. Sans doute, oui, On allait voilà. sur les chars. Oui. On rentrait en général vers 4 ans, mais c'est à peu près l'âge qu'on avait quand Moi, on je allait à rentrais à l'école. 4 ans. C'était des bons moments pour nous les gamins, Ah oui. hein. Mais je pense aussi pour les adultes. Bien Et sûr. chaque adulte était, moi je crois, d'après ce que je ressentais, tu vois, était fier d'avoir participé au char du quartier. Hein? Je ne crois pas tromper un peu Non, la c'est tout à mémoire. fait vrai. C'était. Oui, Oui. Oui, puis il y avait les parents aussi qui s'investissaient beaucoup, non seulement avant pour construire le char, mais le jour de la fête. Parce Ben qu'il oui, y aussi. avait des stands, donc il y avait le stand des jeux, le stand du bar et tout. Donc tout le monde était, il fallait monter les chapiteaux. Non, c'est pas comme ça qu'on les appelait. C'était Les des stands, barnums, les stands, oui, les c'était les stands, stands, oui, les c'est ça. stands.
Et puis il y avait aussi le stand de tir, tir à la carabine. Ah, oui. J'ai le souvenir, ma grand-mère venait toujours au kermesse, bien sûr. Et là, on avait la pièce, elle nous donnait toujours une petite pièce, pour aller s'acheter du soda. C'est la seule fois de l'année qu'on buvait du soda. Et puis la pêche à la ligne. Ah ben c'est ça. Et puis il y avait beaucoup de parents qui participaient et qui étaient là comme spectateurs ou comme acteurs. Mais il y avait aussi d'autres personnes de Vidoulon qui venaient. Parce que moi je me souviens sur les bords des routes... Quand les chars défilaient, on voyait des gens sur le bord des routes qui étaient là pour applaudir les chars. C'était des très bons souvenirs. Moi, je n'ai que des bons souvenirs des kermesses d'école. Tout le monde était là pour le char et pour ses enfants, je pense. Et c'était vraiment un lien entre les gens. Ah bah oui. C'est vrai que... Ah oui. Bah, à l'époque, c'était facile de s'y mettre, de s'investir, parce qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on ne peut pas. Il y a tellement de distractions par ailleurs qu'il faut vraiment se forcer pour faire ça. Et donc, à l'époque, c'était trop facile, quoi. Trop facile, et puis tout le monde aimait ça. Donc, il n'y avait pas de problème pour trouver des gens pour s'investir. Et on le faisait avec bonheur.